Et coucou tout le monde, j'arrive, j'ai juste oublié de faire un réglage, je suis désolée. Tellement pressée, j'avoue qu'elle oublie tout. J'en ai pour 3 secondes. Hein. Comment allez-vous ce 24 décembre? Voilà, me revoilà, me revoilà, me revoilà. Comment allez-vous? Regardez, Zabou, elle est toute contente au milieu de ses yétiti. Et de la neige. Et merci du coup Pikachu, Amandine, Anya, Galou d'être déjà là dès le matin tout de suite. Je regarde si j'ai oublié personne quand même. Oui, je suis en forme. J'ai un peu mal au dos parce qu'il n'est pas réveillé. Mais ça va aller après, et je pense que je vais oublier, excusez-moi, je vais aller juste mes points, on laisse tout le temps à tout le monde d'arriver. Hello Nico, coucou moi chérie, pas Nico, Kenny, pas qu'il y ait, oh un ballon, où es-tu? Alors vous risquez de voir quelques rejets de fleurs par-ci par-là, parce que j'ai pas eu le temps de faire le tour complet de mon île encore ce matin. Alors, j'ai essayé de faire un calque pour le dernier follow et tout, mais du coup, je pense qu'il ne fonctionnera que quand on aura eu des nouveaux. Allez, ballon, viens. C'est un jaune, hein, donc on va avoir des sous peut-être. On va être riche. J'ai entreaperçu Rodolphe, mais j'ai tout fait pour l'esquiver. J'ai trop, trop hâte d'y aller. Et monsieur Nico, je te félicite, cette vidéo de DBD de Noël était géniale. Table basse impériale, quelle couleur est-elle? Oh, bof, bon. 4 yétiti sur 4 réussis à vous. Eh ben, GG, Galou!
Je suis contente si j'ai pu aider avec la vidéo, c'est super. C'était un peu le but, hein, et du coup, je suis contente comme tout. Alors moi aussi, les 4 qui sont là, ils sont réussis. Et du coup, il me reste, que je dis pas de bêtises, je crois qu'il me reste 3 ou 4 plans, pas plus. Donc je suis super contente. Eh oui, le skill de Noël, Nico. Allez, on va partir à la recherche de Rodolphe. Avant ça, j'ai peut-être juste aller vendre 2-3 choses chez Millie et Mélo. Attendez, j'ai quoi sur moi? Non, il n'y a pas d'urgence à le faire. Alors, où est notre petit Rodolphe? Et coucou Isabella! Merci de nous rejoindre. Mais non, ma pauvre Anya! Où est monsieur Rodolphe? Regarde, oh, il est là! Oh, il est sur ma place de regarder. C'est là une place de Noël que j'ai préparée pour aujourd'hui. Et il est là. Salut! Alors, les persos comme ça, ils m'énervent parce que je voudrais faire des captures d'images avec eux. Et ben regardez, je pense qu'on peut rester 3 minutes. Monsieur ne viendra pas. C'est un petit peu gavant. Parce que vous savez bien que j'ai besoin de lui pour faire une étiquette comme il se doit, mais monsieur n'est pas là. Bon, allez, on va lui parler. Joyeuse fête! C'est moi, Rodolphe, le renne au naseau noir. Le meilleur moment de l'année est enfin arrivé. Mais oui, mais oui! C'est le jour des cadeaux. Petit souvenir. Et moi, j'ai le meilleur rôle dans tout ça, celui d'aider le Père Noël à distribuer les cadeaux. Oh oh, tu passes un bon jour des cadeaux? J'espère qu'il te rapporte plein de bonheur. Mais il y a un tout petit problème, et c'est un problème qui pourrait gâcher la fête. J'ai oublié le papier cadeau. J'ai tout ce qu'il faut en cadeau, soigneusement choisi par le patron pour chacun des habitants de l'île. Mais un cadeau sans papier cadeau, ce n'est pas un cadeau. Et le papier qui fait tout l'esprit de festif, pardon, je dis n'importe quoi. Oh oh, j'ai une idée bricot. Ça te parle? Tu aimes bricoler? Tu as la pâte habile? Parce que moi, avec mes sabots, c'est râpé. Voilà le plan, ça va être magnifique. Bricole-moi un peu de papier cadeau et on pourra oublier ce traumatisme. Il me faut juste 3 rouleaux de ce papier cadeau spécial. Sauf le jour des cadeaux, ma petite. Oui! Premier plan, pas très difficile à obtenir. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il n'est pas dans les trucs de saison? Ah non, il est où? Désolé, ça est obligé de remonter tout vite, tout vite, tout vite. Peut-être qu'il est pas là parce que je l'ai dans la main. Ouais. Pas réveillé. Merci Mordine. Merci, merci. Pas réveillé debout. Pourtant si, mais le voilà. Alors il me faut. Oh, ok. Bon, bah, on va aller lui faire. Hein. La maison est juste à côté. Comme ça, j'en profite. Je vais ranger 2-3 trucs qui sont sur moi. Coucou Renette. Alors, j'ai juste en proposé 2-3 petites bricoles, hein, m'en voulez pas. Ça, je vais garder. Faut que je range mon inventaire. Et comme je vois que vous êtes encore plusieurs à arriver, ça m'arrange, on va doucement. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, je vais ranger ça, mais à mon avis, je revendrai tout ça après. Alors, eh ben, on va faire 3 rouleaux de papier cadeau. Il a acheté des petits cadeaux, hein, s'il arrive à faire autant de papier avec... de cadeaux avec 3 rouleaux, lui. Il est mimi, hein, ce papier cadeau, avec les petites boules dessus. T'as pas tout ça dans tes plans de l'événement? Moi, j'ai tous les plans de... comment dire? Tous les plans liés aux boules. Et il me manque... Je ne dis pas de bêtises, je l'ai là, mon... Il me manque 4 plans avec Zabou dans Yetiti.
Mince, je sais plus, j'en ai fait trois déjà ou pas? Cervelle de moineau? Oui, j'en ai fait trois. Allez, on retourne voir Rodolphe. Oh, ça va être trop bien. J'espère que Rodolphe, il passera dans ma maison à moi ce soir. Hein. Où il est? Rodolphe! Elle est là. Salut, Jamie, j'ai pas le temps. Regardez-moi cette saloperie. Allez, monsieur Rodolphe. Oui! Je l'ai eu! Allez, viens. Oh, tu m'as ramené un papier cadeau. Je peux les avoir? Oui, bien sûr. Attention. Picard ronronne en te regardant. Oh, de bisous, mon petit Picard. Alors, oh, merci. Voici un petit quelque chose pour toi. C'est un lot de chaussettes festives. Alors ça, on ira la mettre dans la maison après. Je me demande bien ce qui se passera si tu les accroches chez toi ce soir. Je peux pas les mettre maintenant, si. Tu m'as été d'une grande aide jusqu'à présent. Alors je vais te faire participer jusqu'au bout. Que dirais-tu de m'aider à distribuer les cadeaux? Voir la joie illuminer le visage de ceux qui reçoivent un cadeau, c'est si merveilleux. Alors j'aimerais partager ce bonheur avec toi. Bien entendu, ton aide sera récompensée. Alors pas de temps à perdre. Tiens, tu vas avoir besoin de ça. Oh, je suis un pot de Noël! Ceci est un sac à dos. Il est rempli de cadeaux et il est magique, tu vois. Tu dois aller voir chaque résident avec le sac à dos à la main et lui livrer son cadeau. Sache aussi que la magie s'évanouit si à 5h du matin. C'est aussi l'heure à laquelle je mets les voiles. Je vous rassure, j'espère qu'on n'y sera pas là encore. Hein. Non, elles sont pas dans le guide. S'il y en a, les plans... Il n'y a que les plans de Rodolphe qui n'y sont pas. Mais sinon, elles sont dans le guide, Galou. Et si tu distribues tous les cadeaux et reviens avec le sac vide avant 7h, je te récompenserai. Partager la magie et la joie du jour des cadeaux, c'est un cadeau en soi. Mais je tiens à te rétribuer. Quant à moi, je me charge de mes livraisons. Le jour des cadeaux est entre de bonnes mains. Alors, je me suis préparé quand même la liste de mes habitants pour ne pas en rater un en route. Alors, on va aller dessus. Voilà. Alors, devant nous, nous avons Jamie. Oui! Alors, on a fait Jamie. Attends, c'est de la part du Père Noël? Livré par toi? Trop chou! Comment t'as eu ce boulot? Sérieusement, il y a une audition que j'aurais loupée? Préviens-moi l'an prochain. Oh, il me donne des cadeaux? Oula! Qui a été banni ici dramatiquement? J'ai pas eu. Grâce à toi, le jour des cadeaux a été une vraie réussite. Je tiens à ce que tu le dises au Père Noël. D'ailleurs, s'il pouvait passer me voir, j'ai tout un carnet de suggestions à lui soumettre. On va regarder les cadeaux au fur et à mesure. Hein. Livre animé. Ça, c'est ma colala! Si j'étais née de la dernière averse, je croirais que t'es Papa Noël en personne. N'empêche, c'est dingo qu'il t'ait refilé ce colis. Faut croire qu'il savait ce que ça me ferait plaisir, Squidge. Hello, Jenny! Moi qui croyais avoir tout prévu pour le jour des cadeaux, voilà que t'arrives à me surprendre. Mais j'ai aussi un truc. Dommage que je puisse pas remercier Papa Noël en personne. Mais dis-lui qu'il a tapé dans le mille, j'adore! On sait même pas ce qu'ils ont du coup. Dinosaure. Moi, Coco. Tu as le sac, le costume, tout l'équipement. Je peux t'appeler Puceron Noël. Oh, c'est joli. Oh, c'est gentil. Une minute, c'est de la part du Père Noël. Comme ça, tu l'aides à livrer ses cadeaux. La chance, j'aimerais être à ta place, Puceron. Alors, on a fait trois. Oh. On a fait trois petits villageois. De toute façon, sauf s'il y en a un qui disparaît, on devrait tous arriver à les faire. Oh, ma petite Isabelle. Oh, j'espérais ta visite, c'est toujours un plaisir de papoter avec ma chère Zabou Noël.
T'as un cadeau rien que pour moi? C'est pas une blague? C'est vraiment gentil de te donner la peine de me le remettre en main propre, Quitch. Hein? Et pourquoi j'ai pas de cadeau? Ça compte, vous croyez? Pourquoi j'ai un 12 sur elle, du coup, les enfants? Ça a marché ce que je viens de faire avec Isabelle, on est d'accord, hein? J'ai l'impression que ça a pas marché. C'est bizarre. On va faire les maisons, hein. Ouais, ça a marché, Amandine, parce que sur le coup, j'ai eu peur. Si elle me répond pas autant avec autant d'enthousiasme que les autres, et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Si, j'ai eu sa photo, en plus, Isabella. C'est la première que j'ai eue en photo. Oui, tu serais Zabou Noël. D'accord, ok, m'en donne pas tous. Si tu regardes dans ton sac, dans l'inventaire, il doit te dire combien il reste de cadeaux. D'accord, je vais regarder ça après. J'ai un cadeau pour toi, ma petite Coaline. C'est vrai, pour moi ce cadeau, oh mais c'est adorable, merci. Je sais que ça vient de Rodolphe, mais c'est l'attention qui compte. Ah bah elle l'a pas donné non plus. Du coup, techniquement, j'ai fait la moitié, il doit m'en rester 5. Ouais, c'est ça. Les habitants de Amazil sont vénères. Pourquoi ils sont vénères? Parce que tu l'as pas été les voir depuis longtemps. Alors. Bon, on va continuer notre petit tour en passant par les maisons. Qu'est-ce que cette repousse de fleurs, là? Ouais, bon, c'est pas grave. C'est trop chou, n'empêche d'avoir le petit sac sur l'épaule, comme ça. Là, on a la maison de Gonzo, ici. Mais ça va trop vite, en fait, l'événement. Il va être fini, déjà. Et bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Ils t'ont vu jouer à DBD sans eux. cet accoutrement de Père Noël et ce gros sac, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Tu as un cadeau pour moi. Dis-moi, je l'espère. J'ai un cadeau pour toi. Rounette de Noël fait la distribution. Blanche et Scooter n'ont rien donné. Coco a carrément envoyé bouler Rounette parce qu'elle vient de se lever. D'accord, sympa. Ouais, ma pote qui bosse pour le Père Noël. Je vérifie maintenant. 4. Alors, ça c'était Gonzo. Mais du coup, c'est cool parce que comme c'est, on va dire, rapide, je pourrais faire vite fait sur toutes mes îles après. Alors là, on va chez Alice et Calypso. Ah bah, ils sont tous les deux à la maison. Ma petite Alice. Tu sais, entre tes vêtements et ton sac, tu fais un bon Père Noël de substitution. Pourquoi Kenny pleure? Faut pas pleurer. On pleure pas le jour de Noël. Ça, c'est pas gagné, mais on pleure pas le jour de Noël, normalement. Oh, un cadeau rien que pour moi. C'est pas une blague. C'est vraiment gentil de donner la peine de me le remettre en main propre. Eh, mais vous êtes des radins. J'y crois pas. J'y crois pas, mais franchement. Personne ne m'a rien donné. Calypso. Pleurer de joie, oui, on a le droit à Pika. Mon chou, avec ce costume et ce sac, tout le monde va croire que tu veux piquer la place du Père Noël. J'ai un cadeau pour toi.
Le Père Noël avait une crise de rhumatisme et tu as héroïquement pris le relais, tu m'impressionnes. Sans toi, le jour des cadeaux serait tombé à l'eau. Merci de tout cœur, trop chou. Bon, alors ça c'était Calypso, il me reste Melba et Calyptus. Mais nous on te donne tout ma petite Zabou, hein, t'es trop gentille Mamandine. Voici la maison du Père Noël. Et Melba, elle vit juste à côté, comme ça elle est sûre de rien rater. Hein. Et bonjour, bonjour, si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à follow la chaîne. Oh, j'espérais ta visite, c'est toujours un plaisir de papoter avec ma chère Zoulette Noël. J'ai un cadeau pour toi. Elle est tellement chou. Bah non, ils veulent pas me donner de cadeau. C'est vraiment pour moi ce cadeau? Mais c'est adorable. J'espère que ça vient de Rodolphe. Je sais que ça vient de Rodolphe, mais c'est l'attention qui compte. Quelqu'un a déjà dit ça. Ouais, ils sont tous radins, je suis d'accord. C'est quoi cette arnaque? Ah! Petite Melba. Je pourrais te révéler ce que c'est, mais ça gâcherait la surprise, trop chou. Bah oui, quand même! Robot en métal. Alors, j'ai eu un livre animé, un dinosaure jouet et un robot en métal. Bon, après, les jouets, on les a tous. Et il reste que notre Calyptus qui doit être en plein entraînement parce que c'est un grand sportif, n'est-ce pas? Et bonjour à ceux qui nous rejoignent encore. N'hésitez pas à follow la chaîne. Petit cadeau de Noël pour moi. Allez, bah c'est Calyptus, nous voilà. Bon, après, des cadeaux, de toute façon, j'ai pas spécialement besoin d'en avoir, mais... Et voici Calyptus. Une tenue de Père Noël, un gros sac rempli, le tout, le jour des cadeaux. Qu'est-ce que tu as mis, Jot, Musclor? J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau de la part du Père Noël? Mais tu joues au gros bras pour son compte, la chance. D'accord, c'est tout. Calyptus, tu es trop radin. Bon, bah, j'ai eu trois cadeaux, hein, quand même. Alors du coup, qu'est-ce qu'on dit? Quand on a tout distribué les cadeaux, on va filer voir notre copain Rodolphe. Et normalement, il est censé nous remettre deux objets. Si je ne dis point de bêtises. Coucou Jamie. Elle est belle cette guirlande là, hein. Je vais essayer d'avoir une photo, mais... c'est tout un art hein, d'essayer de les prendre en photo, ils sont horribles. Non, non, regardez, ils se cassent carrément. Hé, hey, saleté. Mais si. Je suis coincée, moi, comme ça, je peux pas y aller. Bien sûr, je dis de vous dire que j'aurais adoré pouvoir faire la photo ici, mais... Bon... Rodolphe, et si? Comment se passe la distribution? J'ai terminé! Oh! Voyons voir. Tu as tout distribué. Chaque cadeau a trouvé son destinataire. Je sens la magie du jour des cadeaux rayonner de chaque recoin de l'île. Tu n'as plus besoin du sac à dos. Je te le reprends. Mais non! On peut pas le garder? Merci d'avoir contribué à la magie du jour des cadeaux avec moi, mais il ne serait pas... Mais il ne sera pas dit que je suis un ingrat. J'ai des cadeaux pour toi pour commencer un plan de bricolage festif bien de saison. Et un cadeau ultra spécial. Ton propre traîneau. Jour des cadeaux. J'espère qu'il n'est pas trop grand, sinon je sais pas où je peux le mettre. T'as vraiment contribué à faire du jour des cadeaux une fête magique pour les habitants de l'île. Et tu as fait de moi le plus heureux des reines. Bien, mon travail, pardon, notre travail est terminé et nous avons bien mérité de souffler. J'espère qu'on se reverra lors du prochain jour des cadeaux. À la prochaine, ma petite. Saleté! Alors. Pile de cadeaux. Et on va essayer de poser là, juste pour voir la taille, parce que je pense pas que je le mettrai ici. Ça, c'est les chaussettes. Traîneau. Oh,
mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle est trop magique. Ouais, bah au final, il a pas l'air de prendre trop de place. Il est trop beau. Je crois que j'aurais préféré le mettre dans l'autre sens quand même. Ah bah bonne question, j'en sais rien, Mandine. Attends, je vais regarder. Oui! Oh! Ma petite Zabou! Ah ouais, non, ferme pas les yeux, Quetch. On ferme pas les yeux, Quetch. On garde les yeux ouverts. Oh la classe, je vais le laisser là en fait. Tant pis, il cache un peu le sapin, mais... Mettre un renne illuminé, ça devrait faire classe. Ouais, le problème, c'est que Zabou, il a plus trop de place sur son île. Hein. Mais effectivement, ça doit être joli. Après, je vais voir comment on fait. On va déjà aller faire les cadeaux. Mince, ils sont où? Là. Alors, papier rouge, jeu, bloc de bois et boîte en carton. Bah ouais, t'as vu, c'est court, hein. Oh, c'est pas grave, attends, on peut prendre le temps de faire les objets. Alors, boîte en carton. Normalement, j'en ai récupéré un peu dans toutes mes îles pour être sûr d'en avoir. Bloc de bois. Je sais plus comment on fait un bloc de bois, par contre. C'est tellement longtemps, je sais pas quel bois c'est. J'arrive, hein. Alors, bloc de bois. Je bloc de bois, tu es où? C'est du bois tendre. Ok. Au passage, si quelqu'un a du papier rouge en magasin, je suis intéressée, j'en ai que deux. Ah mince! Moi, j'en avais pris avant. Au pire, si tu n'en trouves pas chez quelqu'un, je pourrais t'en envoyer après le stream, Anya. Alors, j'ai déjà fait les blocs de bois. Comment ça, c'est pas fini, Jenny? Ah d'accord, bah, je vais y aller alors. Je vais en faire 4 déjà, parce que de toute façon, je voulais faire au moins 4 lots de cadeaux. Bon, après, si quelqu'un a du papier rouge à envoyer à Anya, ça se... Mais bon... Ah, c'est embêtant que je puisse pas le recommander et te l'envoyer tout de suite, sinon faut que je cours à l'aéroport et tout. Mais t'inquiète, je te l'envoie au pire des cas. Alors, bricoler autre chose. Oh, mais faut que tu puisses en profiter quand même, Anya. Et bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à follow la chaîne. J'avais fait que 3 blocs de bois. Ah, j'ai plus de papier. J'allais dire, je comprends pas ce qui se passe. Par contre, je crois que je n'ai plus de kit de transfo. On va aller regarder ça, mais il me semble que j'en ai plus. Faut que j'aille en racheter. Ah si, j'en ai 20. Bon, bah j'en ai, j'ai rien dit. Alors, je sais pas combien on peut en... Il y en a différents. Oh, il y en a 7. Eh ben, on va en refaire. Hein. Alors, on garde le premier normal. Je l'ai fait dans l'ordre, comme ça, je suis sûre. Non, c'est pas ça. Celui-là, il est déjà fait. Du coup, il faut que j'en fasse 3 encore. Il y a des piles de cadeaux adorables. Puis après, bon, on ira voir les villageois du coup. Hein, s'il y a encore des trucs à faire, c'est cool. Alors, j'en suis là. On fait le bleu. Oh, il est beau.
J'ai pas regardé combien de cases ça prenait, tiens. Oh, celui-là, il est super beau. Mais oui, maintenez vos abonnés, les gens. Alors, du coup, il m'en reste... J'en avais fait 4, il m'en faut 3 encore. Ouais, mais je crois que j'ai plus de boîte sur moi. Faut que je fasse des... Ouais, faut que j'aille regarder ce qu'il me reste comme boîte. Je sais pas s'il m'en reste 3. Vu que c'est pas là, je risque pas de les trouver. Bon, il m'en reste que 2. Je dois en avoir encore chez Kachupi peut-être, donc... On peut en commander du papier, demande Rounette perplexe. Non, je crois pas. Je crois pas que le copier ça se commande. Y a pas quelqu'un qui aurait une boîte de carton en trop. Ça m'embête de pas pouvoir faire le dernier. Je voulais qu'on les fasse. Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Hein. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, il faut que je fasse les jeux blocs de bois d'abord. Je vais y arriver, hein. J'ai été voir... Ouais, c'est là-dedans qu'on les a, mais... c'est dans la malle qui est dans la mairie, mais j'y étais hier, il n'y en avait pas. Je vais aller voir quand même, on sait jamais. Peut-être qu'ils en ont mis gentiment aujourd'hui. Pour que les gens ne se retrouvent pas à court. Allez, on va faire 2 piles. On va les custom. Et on va les voir donc, du coup dans la boîte. Parce que j'ai ramassé tout ce qu'il y avait dans la boîte, j'en avais aucune. Heureusement qu'il y en avait qui traînaient. Hein. Bah je veux bien Nico si ça la dérange pas. Coucou Lucas! Bah, tu es déjà là finalement? Ah, tu fais un petit coucou, c'est cool. Je vais aller... du coup, attendez. Celui-là, on l'a fait. Ah, bah en fait, non, j'en ai plus besoin, Nico. J'ai mal compté. C'est tout bon, j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Elle peut garder son petit cadeau, Rounette, c'est gentil. J'ai mal compté. Normalement, je les ai tous, là. Puisque le premier je l'ai pas custom donc forcément. Ce matin j'ai regardé ta vidéo de dernière visite de l'île d'Hachiko. Quel merveilleux moment et Kenny trop drôle en Hachiko. Merci à vous deux. Merci à toi Mandine. Alors attendez, je regarde quelque chose. Ça je le range. Je passe vite fait, je ne pourrai pas rester longtemps, mais c'est pas grave. Je fais du tri, hein. J'ai pas été regarder, je suis bête à la boutique, ce que j'avais comme couleur de... Je vais juste aller 2 secondes faire un tour à l'aéroport. Je vais envoyer... je t'envoie du papier cadeau aussi, Rounette. Et s'il faut dans la journée, vous me dites. Hein. Ah ben, merci Rounette. Je pourrai en faire un supplémentaire. Ah non, c'est pas Rounette. Je te souhaite un joyeux Noël. Tralalala. Merci. J'adore ce genre de surprise. Alors, qu'est-ce que c'est? Bande d'arcade de tir, génial, merci tout plein. Alors, je vais juste vite fait à l'aéroport. Pour aider les copines. Et bonjour à ceux qui arrivent. N'hésitez pas à follow la chaîne. J'aimerais bien voir si mon petit overlay fonctionne. Addict, il y a un petit chou à la crème. Bon, c'est normal, il faut aider les copines. Si elle en a besoin, tu me redis dans la journée. Hein. Mais je vais aller voir du coup si j'en ai pas à la boutique. Comme ça, sinon je peux en envoyer encore. Alors, un ami. Oui, je peux te dire ça. Alors,
Anya! Dis donc, Anya, tu arrêtes de me voler mon... Toi, t'es un fou à la crème, d'accord. Moi, je suis le chou, toi, t'es le folle. Alors, attends. Je vous mets pas de message, hein, ça va plus vite comme ça. Ah, on peut pas l'envoyer! Les filles, on peut pas l'envoyer? Bon. On peut pas l'envoyer. Et puis je suppose qu'en... Non, mais je suppose qu'en plus on peut pas emballer du papier cadeau. Donc on peut pas l'envoyer. Oh non, l'arnaque, je suis désolée. Tellement désolée. On va tout de suite aller voir quand même si j'en ai pas à la boutique. Au pire, je vous ouvrirai après. Joyeux Noël Zabou, j'espère que mon cadeau te plaît et qu'il te sera utile pour une déco. Mais oui, merci tout plein, ça fait trop gentil. Je suis un chou, mais pas à la crème. Oh, moi aussi, moi j'aime bien la crème. C'est pas ma faute, Nico. T'es donc... C'est pas moi qui définis les règles. Je suis triste. Je voulais leur faire plaisir en plus. Ah bah ben non, j'en ai même pas du rouge dans la boutique. Sinon, si vous voulez juste après le stream, je peux passer vite fait vous le déposer. Mais seulement si j'ai le droit d'être un chou à la crème, Anya, sinon pas de papier cadeau rouge. Non, non, non. Bah ouais, c'est plus que dommage, je comprends pas pourquoi on peut pas s'envoyer de papier cadeau, c'est ridicule. Je vais mettre des cadeaux ici quand même chez Zabou, elle a le droit d'avoir ses cadeaux. Hein. Alors, l'autre chaussette. Oh, on n'a pas mis l'autre chaussette. Oh, regardez comme c'est beau. Oh, c'est génial. C'est tellement joli. Bon, ouais, c'est rien, mais c'est nul surtout. Vous êtes toutes mes petits choux à la crème. Bon, ça va là. C'est quoi ce chantage? Même si le facteur t'apporte quelque chose aujourd'hui? Oui? Alors. Ça, on s'en fiche. Attends, c'est les roses. Non, les roses, je vais les mettre là. Tout à fait, Zabou. Magnifique. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Je passe encore, ouais. C'est super joli. Hein. Je vais enlever le traîneau pour l'instant. Je vais voir si j'arrive à faire un truc. Ah, ça c'est les bleus, je vais les mettre en bas. Merci Renette. Oh, qu'est-ce qu'ils sont casse-pieds pour poser les objets dans ce jeu. Les 15 bonbons. Bon, c'est un peu dommage, on les voit pas super bien, mais... Ouais, c'est dommage, on les voit pas très bien du tout même. Hein. Coucou, que se passe-t-il? T'as eu l'alerte de Nico? Oh, bah non, j'ai le son pourtant. Bah oui. On va voir dans tes réglages. Bonjour tout le monde. Bah il est là, regarde. Bonjour, bonjour, n'importe quoi. Ouais, si je l'ai, regarde, si je l'ai pas entendu. Hein. Merci Nico, merci tout plein. Ah, ça marche, c'est marqué Papa bah, Crux. Oui, des bisous Nico, je suis désolée. Bonjour tout le monde, merci Nico. Je surveille. Oh, je suis trop désolée. J'aime pas ne pas entendre. Merci, merci. Comme ça tu me permets de tester, ça marche mon Nico. Merci.
Alors, il me reste quoi? J'ai plus que 2 piles de cadeaux déjà, c'est pas possible. Mais pleure pas, Nico. T'as fait un plein zabou après. Alors celui-là, je vais le monter aussi comme l'autre. Sauf que je vais le mettre dans l'autre. Je vais passer en dessous pour le poser, qu'il soit dans le bon sens. Merde. J'essaie de les faire un petit peu... Ah mais je passe plus là, je suis con moi. Ah mais ils sont pas casse-pieds au possible dans le jeu. Je vais les repousser en passant par en haut, j'ai pas le choix. Hein. Allez, cadeau, descends. Le jeu il veut pas que tu sois là de toute façon. Hop. Ah vous savez ce que je vais faire? Je vais changer en fait. Hop. Je change pour faire exactement la même chose, qui en soi ne va pas m'aider. Voilà. Je vais descendre les cadeaux bleus. Je vais mettre les faucons, les flocons derrière. Je peux toujours pas passer. Là, si par contre. Et là, je peux passer. Et je vais les. J'ai juste les pousser, tant pis. Hein. Et à moins que. Attendez, hop. On fasse encore autrement. On va y arriver. Je vais m'en sortir. Hein. Mais on est tellement tout le temps embêtés. Coucou, gnome. Voilà, je les mets devant. Tout ça, ça gêne pas. Bon, ici, ça gêne un peu, accessoirement, parce qu'il y a le chemin, mais on s'en fiche. Ce plaisir de vous entendre, je n'étais pas sûre de pouvoir venir sur le live très longtemps. J'ai jusqu'à 11h. Mais ça va! Ça va! Il y a un temps, il est à peine 10h. C'est déjà bien. Mais non, c'est pas trop court. Après, tu sais, on va pas rester jusqu'à 3h de l'après-midi. Alors, comment vous trouvez? C'est beau, hein? Je me demande du coup si je peux reculer un peu le sapin. Non, pas trop. Et mettre une pile de cadeaux devant. Oh, Flarodol, vite! Regardez, elle est allergique aux photos. Non! Je le hais! Rodolphe, viens ici! Ah ah! Aurais-je ma photo? Presque, hein. Presque. Elle est pas top! Du coup, il me reste quoi comme. Il me reste un pile de cadeaux, ouais. Ça, il faut que j'aille ranger. Je peux passer toujours. Ben nickel! Nickel, nickel! Notre place des cadeaux est terminée. Ça, c'est cool. Attendez, les aboules, faut qu'elles se prennent un peu pour une star. Eh ben, je suis super contente. Hein. J'avais préparé cette place dans l'espoir de pouvoir y mettre les cadeaux. C'est chose faite. Bon, c'est un petit peu difficile à circuler comme d'habitude. Du coup, les enfants, je peux mettre le traîneau. Il me reste de la place. Accessoirement, à l'endroit, ça serait plus facile. Sauf que je pourrais pas le descendre. Il est classe comme ça. Et ça me dérange en fait. J'aime bien le voir de côté. Je vais le mettre ici, dans l'autre sens. Oh, Isabou, elle a des problèmes existentiels. Oh, mais je le veux dans l'autre sens. C'est pas vrai. Hein.
Je peux plus passer. Oh, je les déteste, Animal Crossing. Merci Renate, merci Gallo. Bon, là, ça gêne pas, je peux passer. On voit plus trop bien le traîneau, mais c'est pas grave. J'ai 6 à bout de Noël. Merci, merci beaucoup. Après, je pourrais l'avancer un cran, mais on pourra plus passer du côté là. Bon, après, est-ce que c'est si grave en soi? Je suis pas sûre. Ah ouais, je peux pas le pousser et je suis contre un arbre, c'est ça? J'ai quoi qui gêne ici? Bah, rien pourtant. Faut que je le monte, je crois, d'un cran pour pouvoir le pousser. J'entends un ballon. Écoutez, je vais le mettre comme ça, puis je passerai que du côté là, c'est pas grave. Ballon, ballon, où es-tu? Merci beaucoup les enfants, c'est gentil. Merde, je l'entends plus. Ah, il est là. On va attendre qu'il passe ici. Pour le coup, c'est dommage du coup qu'on puisse pas crafter le traîneau. Je suis le seul à remarquer qu'il n'y a aucune mauvaise herbe aujourd'hui sur Animal Crossing. J'ai pas fini mon tour, donc je sais pas. C'est possible. Ah, c'est un livre. Ouais. Bon. Et voilà, la place est terminée. Oh, je suis trop contente, c'est trop beau. En plus, on a les cadeaux là, de l'autre côté chez Zabou. Du coup, il me faudra un petit truc ici. Il me faudrait un petit truc ici. Merci, Mantine. Je vais aller ranger des choses à la maison. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors ça, on va les mettre au mur. Bon, y a des choses que je range, mais accessoirement, je pense pas que j'ai tout gardé. Hein. J'avais déjà gardé des jouets et tout, donc... Et merci encore pour les cadeaux. Je l'installerai plus tard. Hein. Alors, bah, logiquement, les chaussettes voudraient que je les mette ici. La logique. Quel plan Yetiti me manque? Je les ai tous, mais pas avec forcément Zabou. Et bah je vais aller regarder juste après. Je les ai tous, mais ouais, j'ai aucun personnage par contre qui les a toutes pour l'instant. Avec Zabou, il m'en manque 4. Oui, un bonhomme de neige, je suis assez d'accord, mais je sais pas si j'ai le plan là sur Zabou. Allez, on les met là. Par contre, il faut que je puisse y accéder demain. Bon, au pire, c'est pas grave, j'enlèverai les autres meubles, je suis un peu bête. Alors, attendez, qu'est-ce qui me manque comme plan? Est-ce que j'ai les... Oh, je l'ai, le bonhomme de neige, c'est cool, on peut aller le faire. Ouais, on va en mettre un, je suis assez d'accord, ça va bien. Bah, du coup, il me manque avec Zabou, en plan... Le... Non, le pilier. Le lot de... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Le lot de glace, je l'ai eu ce matin. Je me suis trompée ce matin. Il me manque le lit. Le pilier. La cagoule. Et le mur. Mais je les ai ailleurs, donc ça, c'est pas grave. Du coup, j'ai pu les faire. Alors, mets les chaussures excepté demain, il y aura la photo de Rodolphe dedans. Vous croyez? Mais je les mets où, alors? Vous croyez que même si je les mets là au-dessus de ma cheminée, il ne pourra pas venir les chercher? À mon avis, ça pop automatiquement dedans. Est-ce que je peux les laisser là, moi, demain, hein, au pire, j'enlève ma cheminée et mes katanas? Non? J'attends, hein, pour voir ce que vous me répondez. Ouais, moi, je pensais les laisser là, et demain... Ah oui, mais... Oh,
Bon, vous savez quoi? Hop! Mais non! Là, on ne peut plus... Elles peuvent pas être plus accessibles. On a jusqu'à quand pour obtenir les décos de Noël? C'est-à-dire les plans boules de neige? Les plans boules de neige, eh ben... Jusqu'au 6 janvier. Bah non, j'ai juste enlevé, je remettrai demain. Tu dois interagir demain avec, tu vois la photo. Ouais, ouais, mais je sais. Bah du coup, voilà, je les ai mises là. Demain, je remettrai ma cheminée, je les remettrai en place, et puis ça sera tout bon. Alors, c'est quoi ça? Bah du coup, je vais les garder sur moi, comme ça, j'oublierai pas demain. Et bonjour Léa, comment vas-tu? Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à follow la chaîne. Et voilà notre déco du jour, avec tous les cadeaux de Rodolphe. C'est tellement joli, je trouve. Que ça soit Noël ou Halloween, je trouve qu'ils ont fait un boulot monstrueux sur les décos. C'est chouette. Franchement... C'est quel numéro de page du guide Zaboul de mémoire, essaye 215. Après, il n'est pas forcément complet, le guide à 100%, mais... Je cherche comment faire une étiquette pour la rediff. Ah bah oui, juste quand Zaboul ferme les yeux. Normalement, t'as la liste, je crois que c'est en page 215, ouais. C'est beau, hein? Ils ont bien choisi en plus les cadeaux. Alors j'en ferai après, je pense que je mettrai quand même devant. On va aller voir, est-ce que j'ai de la place pour en mettre devant la maison de Noël. Le truc... Les paillettes. Quelles paillettes? Ah! Je fais n'importe quoi! Et... Oh, regardez, on a la robe. J'ai même pas été... Je vais aller voir ce qu'on a chez les Yettes aujourd'hui. Quand même. Ouais, contenant devant la maison du Père Noël, j'ai ceux-là. Je me ferai juste un... Je pense un lot pour mettre à l'intérieur. Je vais regarder si j'ai la place. Pour ça, je récupérerai des cartons plus tard sur une autre île. Ouais, j'adore cette pièce. Ils ont fait une déco de Noël fantastique. Le tapis, il est trop beau. Le mur, il est génial. Par contre, si je mets des cadeaux ici, je passe plus. Sinon, je mettrai une pile de cadeaux ici, je sais pas, je verrai bien. De toute façon, pour l'instant, je ne peux plus en faire. La mimique, magie, paillettes, étoiles, je sais plus, je sais pas, lol. Devant le sapin, ça aurait été génial. C'est laquelle? Il y a pirouette. Il y a surprise. Non, non, c'est pas ça. Ça n'est pas ça. Merci Jean-Luc. C'était quoi alors? Tadam. Il y a le tadam. C'est celle-là dont tu me parlais. On va enlever ça. Et on va mettre le tadam. Voilà, on y va! Et après, ben, on va aller parler aux villageois du coup. La musique, elle est géniale. J'aime trop. J'y vais, j'y vais, j'y vais! Salut, Sieur Rodolphe, qui veut pas venir sur des photos avec moi. Non, l'autre côté, ça bouffe. Si je veux qu'on puisse remplir tout l'étiquette avec, alors... Bah, je verrai, peut-être que je mettrai celle avec Rodolphe, mais... C'est vrai que c'est la classe. Zablou, elle est pleine de magie. Oh, j'adore. Bonne idée, Ania, merci tout plein. Du coup, ouais, je voulais mettre... Ah, un bonhomme de neige, un bonhomme de neige. On va l'en faire un.
Si tu mets les chaussettes suspendues aujourd'hui, demain tu verras la photo de Rodolphe à l'intérieur. C'est le dernier cadeau de Rodolphe en fait. Hein. Il passera pendant la nuit, pendant que tu dors sagement. Bonhomme de neige. Alors du coup, je ne sais pas si tu as entendu ma réponse, Léa. Je disais, la photo de Rodolphe, il faut avoir les chaussettes qu'il te donne au mur. Et le 25 au matin, normalement, la photo est à l'intérieur. Il me faut un kit parce que j'aimerais bien le mettre dans une autre couleur que celle de base. Par contre, si il me reste encore 14, ça va le faire. Oui, mais dans les chaussettes, c'est marrant. Hein. J'ai hâte de voir ça demain. C'est tellement magique, je trouve, cette fête dans le jeu. Une photo par chaussette suspendue ou une seule? Non, il n'y en a qu'une. Alors, le bleu, le rose, non. Le bleu clair ou le jaune? Moi, je crois que j'ai une préférence pour le jaune, mais je vais vous laisser choisir. Est-ce qu'on le laisse d'origine? Est-ce qu'on le met en bleu clair? Ou est-ce qu'on le met en jaune? Je vous les remontre. Bleu. Bleu clair. Jaune. Bleu. Bleu clair. Oui, chez moi, le Père Noël, il va passer sûrement avant minuit parce que Zabou, elle a tellement envie, en fait. Alors, le Père Noël, il va lui faire plaisir. Marron. Pikachu. Bleu ou bleu clair? Bah, je pense que je vais partir sur bleu clair, du coup. Ah, on a un jaune. Allez, bleu clair. Après, je les ai tous, de toute façon, dans la forêt de Noël, de l'autre côté. Oui, avant minuit. Bah, tu sais, on est tout seul à la maison, alors... Du coup, le Père Noël, il a un peu pitié de nous, alors il va nous les ramener. Il est pas comme ça, ce Père Noël. Et on va aller chez Layette après. Oh, désolé, Léa, j'avais pas vu pour le jaune. Bon, il y avait deux jaunes, mais le bleu ciel a gagné. Oh! Kiki m'a envoyé quelque chose. Mamandine, joyeux Noël. Merci à vous pour tout ce que tu fais. Tu es vraiment super. Merci pour ta grande gentillesse. Gros bisous. Merci, Mandine. Merci tout plein. Je fais tout le temps ça, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Oh, merci Mandine, merci tout plein. C'est gentil comme tout. Je rangerai tout ça après, je mettrai tout en place. Et vous découvrirez tout ça dans un journal comme ça. Oh, vite, Rodolphe, près du sapin. Non, regardez l'enfoiré. Pardon, je suis désolée pour ce mot pas joli. Qui croit au Père Noël? Moi. La magie de Noël, ça existe? Je le colle pas au mur, je le laisse comme ça, ça fait plus joli. Oh, elle est trop belle cette plage, je suis contente. Je savais pas du tout le mettre. Bouh! Toi-même, Valériane, je te le répète très toujours. Oh, vite! Oh, les enfants, on a la photo du siècle! Bon, c'est un miracle, mais... Moi, j'ai pas encore allumé mon jeu, je vais pas trop regarder sur le live pour pas me spoil. Bon, il est fini l'événement, Valériane, donc... Nous, le Père Noël est déjà passé! Mais Rounette, qu'est-ce que c'est que ce Père Noël? Oui, ma fourche à languer, tout à fait... À larguer. Le miracle de Noël. Ouais, il a été gentil, là, franchement. Allez, je voulais aller chez Layette. Bon, j'ai vu en vitrine qu'on avait la robe.
Et un Rodolphe dans la boîte, bah ouais, c'est cool, je pourrais faire une jolie étiquette avec Rodolphe. Du coup, là j'ai mis en ligne ce matin, je vais encore une fois acheter des fringues au musée, vous l'aurez noté. Mandine, on ne se moque pas, je te vois déjà venir. Oh, tu travailles ce soir, Rounette? Les gentils, ce Père Noël. Hein. Ouais, moi, je pense qu'il va être un peu en avance. Hein, Père Noël, tu seras en avance aujourd'hui, Père Noël. Je lance un appel, hein, des fois qu'ils m'entendent. Oh, les choux avec son costume. Ah ben, on a le costume de reine, mais je l'avais déjà, et tenue de Père Noël aujourd'hui, donc tout le monde doit les avoir. C'est dommage qu'il... Je sais que c'est rouge, mais... Non, tu te moques jamais, Mandinette. Ah, toi aussi, Léa, tu t'appelles Amandine? Ben, comme Amandine et comme Anya. Ben, enfin, Amandine, non. Mais comme Anya. Il est précoce, là, Papa Noël. Ben, ouais, moi, j'aimerais bien hein, qu'il revienne vite. Ah, ils sont sympas, les gilets, là. Par contre, les pantalons, c'est what, quoi. Hein. Oh, robe de Noël. Les robes sapins, j'aime pas. En fait, je comprends pas, c'est pourquoi ils m'ont pas fait quelque chose avec les manches. Est-ce que quelqu'un a eu les... Est-ce que quelqu'un a eu les chausses, les bottes du Père Noël? Bon, moi, je vais rien acheter. De toute façon, j'ai déjà tout. J'ai juste acheté ça. Non, Amandine, elle s'appelle pas Amandine. Je vais regarder par là si je trouve pas. Du coup, j'en profite un peu les fossiles parce que j'en ai trouvé que deux ce matin. Mais j'ai pas fait ce côté-là. Alors là, j'avais mis les sapins, en fait... Pommes de pin. Je voulais pas les ranger, je trouvais que c'était dommage. La robe scandinave, elles sont trop jolies. Et la rouge fait Noël. Je les avais pas dans le magasin, Valériane, on est d'accord. Parce que j'en ai jamais eu de ces robes-là. Je connais même, ça ne dit même rien le nom. Et on enlève les rejets de fleurs. Bah ouais, il a neigé hier, il neige aujourd'hui, donc je vais avoir des rejets partout. Ma petite Isabelle avec son bonnet là-bas. Ils sont choux à habiller en Noël. Bon, les rejets, ça a 5 minutes. Hein. J'arrive de plus en plus à les bloquer pour en avoir moins, mais c'est pas simple. Ah, il y a un fossile. Ah, mais les fossiles, ils sont chez les toutous. Hello les petits gars. Il ben, n'y a peut-être pas de bottes de Père Noël, mais je trouve ça bizarre quand même. Oh, merci Valériane, c'est gentil. Merci beaucoup. Ouais, mais après, Mandine, si tu ne t'appelles plus Mandine, moi je suis perdue. Hein. Ça fait trop longtemps maintenant. Ils sont beaux les chiens. J'avoue, ils sont à croquer. Alors, je vais en profiter pour finir mon tour. Et on ira faire un tour pour voir ce qu'on peut encore remettre en place aujourd'hui. Hein. Salut Gonzo. Cette fois, on va au musée pour de vrai. Ah. Quelqu'un peut autoriser le message d'Anya? Je viens de le faire, c'est bon.
Je savais pas si j'arrivais à revenir avec ma souris, mais c'est bon. Pas de papier rouge, ils auraient pu en mettre en vente aujourd'hui. Bah j'avoue, je pensais qu'il y en aurait. C'est pas grave, je l'ai autorisé, t'en passe, te casse pas la tête. Bah peut-être qu'on les voit pas sur le téléphone, les messages là. Bah du coup j'ai pas besoin, il a expertisé, on va les vendre tout ça. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu mettre du papier rouge. Bah moi j'avais lu, justement, j'avais fait des recherches il y a quelques jours, je vous avais posté sur Discord, et j'étais tombée sur un article qui disait ce qu'il fallait pour faire les lots de cadeaux, et du coup... j'ai eu un peu de chance. Il faut que je vienne leur parler. Je regarderai sur mes autres îles. Si j'ai du papier, je vous dirai. J'ouvrirai à ce moment-là. Non, on va pas acheter ça, non. Ça va pas, non. Ouais, ça, on s'en fiche. Je les garde. Mais au final, on a essayé d'avoir tous les objets et ils ne servent à rien pour Noël. On ne sait même pas ce que les habitants ont eu comme cadeau. Ah, je sais ce qu'on peut faire, c'est aller voir chez quelqu'un à qui on nous donne un cadeau dans sa maison, voir si on voit quelque chose de spécial d'installer. Oui, alors n'hésitez pas, hein, comme l'a dit Kenny, à aller sur le Discord pour faire les échanges. C'est plus simple à organiser que sur un chat. Hein. Et puis, il y a beaucoup moins de risques, surtout. Ah, ben, je pense qu'elle a eu regardé le livre animé. Hi, j'ai fait le bordel chez toi. Oh, la pauvre, j'ai oublié de lui parler en plus. Oups. Ah, j'y vais pas été... T'as raison, Galou, je vais aller voir dans ma malle, on avait dit. Et il fallait que je parle aux villageois aussi. Mais décidément, on n'a pas grand-chose à faire et j'oublie tout ce qu'il faut faire, quoi. C'est un truc de fou. Et lui, il a eu quoi? Oh, je vois rien de spécial. Lui, Calypso, c'est une fille. Ah oui, mais non, je n'ai pas... Ah, elle me donne du papier cadeau rouge, les enfants, regardez! Ah oui, mais j'ai plus rien à offrir, moi, maintenant. C'est quoi, ça? Ah oui, c'est mon petit lit arctique d'Amandine. Non, on le vend pas. Eh, les enfants, faut parler aux villageois pour avoir du papier rouge. Faites comme moi, vous parlez sans pouvoir leur donner de cadeau, et a priori, ils vous en donnent. On va aller à la maison, du coup, on va refaire quelques petits cadeaux pour la route. Par contre, je vais prendre une autre couleur. On parle plus à personne pour l'instant. On va aller faire quelques cadeaux. La fan de Zabou, elle arrive, offrir et bim, pas de cadeau. Ben ouais, mais regarde, du coup, on a découvert qu'on peut avoir du cadeau. Du papier cadeau, pardon. Alors, j'ai bien fait, mais je savais pas en fait qu'elle allait me demander ça. Normalement, j'avais stocké 2-3 petits trucs. Oh, encore les cadeaux pour Zabou dans la boîte aux lettres. Alors... Je vais pas utiliser le rouge parce que... Oh, vous savez quoi? Je vais faire du papier cadeau de Noël. C'est ouf. Là. Comme ça, au moins, on reste dans l'esprit de Noël. Bravo, Ronette! Ah, on en a que deux! Ça en fait un, en fait. Ah, c'est nul. Bon, on va en refaire encore un peu, alors.
Je pensais qu'on faisait plusieurs rouleaux d'un coup. Je vais en faire 5. Et comme ça, on va déjà essayer d'emballer des petits cadeaux, puis on va aller voir. C'est qui s'épaisse dehors? Ah, il me manque une boule bleue. Bon, on va déjà faire ça, j'irai chercher des boules dehors. Alors! Vous savez quoi? Pour pas faire de bêtises, je vais quand même ranger mes trucs que je veux garder. Parce que des fois, j'ai trop peur de faire une bêtise. Alors, qu'est-ce que je vais leur donner? Normalement, j'avais mis des jouets, je crois. Hop, un hélico. Normalement, oui, j'ai gardé des jouets. Exprès. On a un livre. Un robot. Le dino. Je suis à combien de jouets, là? Et je peux envoyer le circuit aussi. Ah, il manque un papier. Ah bah attendez, il y a des boules devant la maison. Bah du coup, Rounette, tu leur as donné les cadeaux après avoir fait la distribution? Oh, merci. Merci, merci Valérie, je vais regarder ça. Alors attends. Comment elle est toute belle, notre Zabou? Non. Oh, elles sont belles, t'as raison, c'est magnifique. Oh, merci beaucoup. Je vais garder celle-là, du coup. Je vais ranger les autres. Ah non! Alors, à savoir qu'apparemment, Twitch n'aime pas le mot robe. Non, mais sérieux, quoi. Sérieux. Je vais ranger celle-là. Voilà. Elle est trop jolie la robe, merci. Ah, tu les avais tous préparés, mince. Bah, tu vois, moi, c'est en faisant une bêtise qu'on s'en est rendu compte. Bon, bah voilà, j'ai ma bleue qui me manquait. Comme ça, j'ai juste à refaire mon papier cadeau et on va l'en donner. Bah, j'en sais rien, Galou. Bonne question, je sais pas si on peut... Ce serait génial de pouvoir, mais je sais pas si on peut du coup. Aller chez Joey et prendre la photo, oui, mais est-ce qu'on peut avec les bonnets? Je sais pas si on peut leur mettre des chapeaux. J'y vais quasiment jamais chez Joey, alors du coup, non, c'est pas ça. Ouais, mais je pense que je vais le faire, Gnome, parce qu'il me... Il me saoule l'automode. Il bloque des trucs. Lili, il a bloqué Rob. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique dans Rob? Franchement. Allez, on emballe les cadeaux. Je devrais emballer des petits trucs pourris et laisser des cadeaux comme ça traîner un peu sur l'île, ce serait rigolo. C'est pas ça que je voulais faire. Il est sympa ce... Ils sont sympas ces petits cadeaux avec les boules. Hop. Alors, toi tu vas là. Hop. Je viens d'offrir un cadeau à Zabou sur mon île, elle m'a rien donné en retour. Elle est vilaine cette Zabou, hein, parce que moi je t'aurais offert un cadeau, Mandine. Parce qu'on est en hiver, il veut pas qu'on ait froid. Sûrement. Elle est jolie cette robe. Oh la plage, je suis tellement contente, ça fait trop bien. Il n'y a plus de villageois les enfants. Ah si, ils sont toujours là. Ils sont toujours collés à leur sapin depuis tout à l'heure. Échangeons nos cadeaux. Vous savez quoi, si je dois refaire des cadeaux à tout le monde, je vais recocher avec qui je le fais parce que... Sinon, je vais me perdre, là. Non, on n'offre pas des boules. Je ferai Animal Crossing cet après-midi. Là, je vais devoir bientôt partir. Bonne journée à tous. Profitez bien de la journée. Réveillonnez bien.
Merci Lucas, nous aussi on t'adore. Et puis bon réveillon, profite bien, fais attention surtout. Merci Mandine. Qu'est-ce que tu m'offres, Colala? Hélicoptère. Bon, du coup, je crois que je vais faire un truc horrible. Je vais remballer les cadeaux qu'ils me donnent parce que... Alors, Coco. Et bienvenue, Golgoth. N'hésite pas à follow la chaîne. Et merci de passer nous faire un coucou. Un hélicoptère téléguidé. C'est dommage, je m'amusais à faire le tour des maisons, voir s'ils ont mis les cadeaux en place. Eh ben merci pour le follow. Merci beaucoup, beaucoup. Peluchio. Oh, celle-là, je vais pas la revendre. Alors, on a fait deux villageois. Oh, je suis contente. Du coup, on relance un petit peu l'événement. Ah, bon, on va aller voir Koaline. Est-ce que tu as une carte SD dans ta Switch, Galou? Parce que si c'est le cas, il suffit de la mettre sur ton ordinateur et tu peux tout récupérer. Ou sinon, bah, tu les partages sur un éventuellement compte, il y a Twitter, je crois, et Facebook. Et moi, c'est par là que je les récupère. Alors, on a fait quoi, Aline? Dès que quelqu'un va m'offrir sa photo, j'en suis à 4 photos sur 10. C'est pas si mal. Alors, qu'est-ce qu'on a eu, nous? Une tente. Hihi. Bah, après, leur offrir une tente, c'est un petit peu compliqué, je trouve, hein, parce que... Je vais repasser par la boutique. Oh, je crois qu'à la maison, je dois en avoir. Alors, on va les donner au Grincheux. Grincheux, c'est Gonzo. C'est un gros dur, mais elle est tout gentille. Du 26 au 31, on aura des meubles exclusifs, alors n'oubliez pas de les commander. Comment ça de les commander? Ils seront... Ils seront dans le Nook Shopping? Ah bah, il faut que tu regardes dans ta console, Galou, tu vois où sont les... faut chercher dans les paramètres et tu vois où est-ce qu'elles sont les photos. Moi, j'ai fait un coin camping sur une autre île. Et celui-ci, j'en ai rajouté deux petites tentes près du camping. J'avais pas assez de potes pour en mettre plus. Oh, bah, c'est génial. Je vais noter ça. Attends, je vais le noter. Je vous montre juste deux petites secondes. C'est bon, j'arrive. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Un circuit. Alors, il me reste un cadeau à distribuer. Du coup, la tente, ils nous ont donné laquelle, là? Ah, elle est sympa celle-là. Bon, moi je les aime toutes en même temps, mais... On va donner du coup le cadeau à Alice, on n'avait pas donné. Et je vais aller rechercher un cadeau. Coucou Morgane! T'es encore au lit? Eh ben, bon réveil! Elle a refermé le livre que j'ai ouvert tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle m'offre?
Alors, on a la maison de poupée. Il n'y a que le chien que je veux pas aller revendre, je vais le garder. Et la maison de poupée, c'est laquelle? La jaune. Ah, elle est jolie, la jaune. Alors, du coup, le chiot, je le garde. Je vais aller racheter un jouet au magasin et... Quoique j'en ai encore chez moi, je suis bête. On va aller secouer un petit peu pour reprendre des boules bleues, même si j'en ai plein à la maison. Hein. C'est pas par là, Zabou. Bon, là, j'aurais pas beaucoup de boules, mais c'est ce qui est plus près de la maison. Hein, donc, ah bah, ici, j'ai que des rouges, ça va le faire. Elle se fout de moi. Morgane, mon compteur, il a marché. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Viens ici, toi. J'enlève mon abuton, quoi. Franchement. Allez, il me faut des boules bleues pour faire du papier cadeau. Bleu, j'ai dit. Bon. Je crois qu'ils veulent pas te donner une boule bleue. Je couds encore celui-là, sinon j'en cherchais chez moi. Hein. C'est pas grave, mais... C'était pour vous éviter de vous rendre compte à quel point je suis tarée, parce que j'en ai plein des boules. Super, je suis contente, je regarderai la rediff pour voir. Oui! Alors, le truc, c'est qu'il faut juste que je pense, c'est qu'en fait, le compteur se met en route au moment où tu ouvres OBS. Et du coup, il faut être très rapide si tu veux pas être un petit peu à la bourre, mais ça va. Coucou Juju! C'est pas là. Boule bleue. Oh bah alors, c'est nickel, hop. Ah, il me fallait un cinquième jouet. Hein. Oh là là. Bah j'avais gardé des livres de toute façon. Hop, il y a le petit robot là, hop. Voilà. Du coup, il faut que j'en fasse 5. Il y a l'opton connecter la console par câble USB. Je verrai si je peux le récupérer. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Moi, je sais que, de toute façon, j'ai fait toutes mes captures, elles vont sur la carte SD. Tu peux mettre sur une autre scène, normalement il se déclenche quand tu sur la scène et il y a le compteur. D'accord. Non mais à la limite ça me va, maintenant que je le sais, je l'ai mis sur 6 minutes. Faut juste que je pense à ouvrir OBS au moment où je suis prête à lancer le stream. Mais sinon je pense que je vais peut-être le passer sur 7 minutes, comme ça me laissera un peu plus de répit. Mais en tout cas merci tout plein. Il nous reste 5 cadeaux à les donner. Ah oui, ils sont radins, t'as vu ça, Amandine? Sérieux, quoi. Le petite peluche de... J'ai pas regardé ce que c'était le chiot qu'on a eu. Est-ce que Papa Noël, qui est pas loin de moi, m'entend? Pourrait-il me ramener une barre de céréales au chocolat, s'il vous plaît? Ouais, je pense que je vais juste le monter, comme ça je suis pas embêtée. Je me tâte à mettre un petit chien ici, ça serait rigolo. Mais je sais pas si je passe encore correctement. Ici je passe, là je passe.
Bon, on le voit pas beaucoup, c'est un peu dommage. Je sais pas du coup. Je le mets ou pas? Si, hein. Ah, petite Isabelle, elle t'a donné. Ah si, je vais le laisser là. Du coup, je vais mettre mes pétales roses par là. Ça m'évitera de rentrer les rangées. Hop là. Alors. On a 5 cadeaux et il nous reste 5 villageois. Il faut les trouver. On va déjà faire ceux qui sont dans les maisons. Oups, je crois que j'ai cassé une fleur. Alice, on en a déjà fait. Regardez, c'est le concert de Noël. Ils sont choux. Chantez, chantez. Regardez, même Rodolphe, il est là. C'est tellement magique, ces petits moments. C'est ridicule, hein, peut-être pour certains, mais moi, j'adore tellement. Petite Melba. Oui, t'as vu, elle est trop belle, la photo. Hein. Mamita est revenue avec un hamac de radiateur pour Monsieur Pikachu. Oh, la chance qu'il a, ce petit bonhomme. On a acheté une petite tente maison à Snow, mais il, ça n'a pas l'air de lui plaire. À moi de t'offrir mon cadeau. Qu'est-ce que tu m'offres? J'ai honte, j'ai offert les cadeaux qu'on m'a offert. Mmh. Alors. Oh bah, deuxième chien, c'est cool. Alors, il nous reste Calypso qui est dans sa maison. Et après, il faudra trouver Isabelle, Calyptus et Jamie. Mais finalement, l'événement, il est court, mais il y a plein de choses à faire après, donc c'est cool. Gonzo, on a déjà été. Et bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à follow la chaîne. Cette fois, j'ai quelque chose à lui donner, pas comme tout à l'heure. Pauvre Calypso. C'est quoi? Ah, c'était le circuit. Oh, je lui offre la pièce manquante de son enfance, comme c'est mignon. Ah, du coup, c'est bien, parce que ceux qui n'avaient pas forcément réussi à avoir tous les jeux objets, on a une chance d'en avoir encore aujourd'hui. Ah oui, sur téléphone, oui, c'est petit, hein. Alors, on a dit qu'il nous manquait Isabelle, Jamie et Calyptus. Alors, normalement, ils habitent tous en haut, mais est-ce qu'ils sont chez eux? Isabelle n'est pas là. Jamie est chez lui. Je vous laisse 30 secondes, je reviens tout de suite. Ben voilà. Ah, il a mis son dinosaure. Alec, Jamie. Bon, oui, le vieux titi dure 3 ou 4 jours, je sais plus. Ben, je sais pas où il va mettre sa tente, mais ça me semble compliqué dans la maison. Je t'en prie, monsieur Jamie. Alors, c'est quoi?
Alors là, maintenant, l'automode, il bloque chien de traîneau. Apparemment, ça doit être un gros mot, je sais pas. C'est n'importe quoi. Je mange en même temps, je m'excuse. Eh ben, joyeux Noël, Léa, profites-en bien. Il peut avoir plein de bisous et merci d'être venu. Calyptus. Qui a sa façon bien à lui de demander les cadeaux. Merci Anya. J'ai pas déjeuné alors du coup, j'ai un peu faim. Merci partenaire. Comment ça tu comprends pas toujours Twitch, Valériane? Oh, pour les mots qui sont bloqués, moi non plus. Je vais l'enlever, je pense, parce que... Et maintenant, il nous reste à trouver Isabelle. Bon, elle n'est pas au magasin. Ce sont les meilleurs, mais t'as vu, ce sont les casse-pieds aussi, Amandine, parce qu'elle se cache et je ne la vois pas. Et bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à follow. Où est-ce qu'elle est? C'est la robe que Valériane m'a envoyée, Galou. Il y a un autre chien, mais est-ce que j'ai la place pour le mettre? Je regarde si j'ai la place pour mettre l'autre que j'ai mis devant la maison, éventuellement, mais non, je vais le garder devant la maison. Petite Isabelle, où es-tu? Elle est là, regardez! Elle est cachée là. Coucou! Elle est tellement petite qu'on la voit pas. Ah ouais, un hélicoptère, c'est pas top, ma pauvre chérie. Alors, c'est quoi mon dernier cadeau? Un circuit. Je vais aller ranger les jouets à la maison. Vous savez quoi? Il me gêne, en fait, ici, le chien. Je vais l'enlever, parce qu'en fait, du coup, quand je veux passer pour aller là, et ben... Voilà. Je vais aller le mettre avec les autres, je pense. J'ai hâte d'être à demain pour voir ce qu'on va... la photo de notre ami Rodolphe. Ça, c'est quoi? C'est la peluche? Ouais. Oh, tu as Molly qui a emménagé aujourd'hui, Valériane? Ah, je sais pas si tu peux donner ouais, des cadeaux à des gens qui viennent d'arriver. Bonne question. Après, je vois pas pourquoi pas, mais je... Ben non, pas seulement pour la photo de Rodolphe, Mandine. Mais dans le jeu, oui, je suis pour ça.
Moi, j'en viens pas, je trouve ça tellement... Regardez, mais comme c'est magique, quoi. Je suis obligée de reprendre des photos, c'est tellement beau. Tellement beau. Cette déco de Noël. Puis c'est cool, du coup, j'ai réussi à faire la thématique avec les couleurs. Côté rose, là, bleu-gris. Là, tout ce qui est un peu or, là, du bleu. On va lui reparler à Rodolphe. Une nouvelle fin d'année, un nouveau jour des cadeaux. C'est un moment de l'année très spécial, bien entendu, je reviendrai l'an prochain. Peut-être qu'on se reverra à ce moment-là, ça me fera plaisir. À la prochaine, ma petite. Moi, j'aurais bien voulu garder le sac de Rodolphe. C'était rigolo de se promener avec un sac sur l'épaule. Je vais voir où je peux, si je peux mettre le chien encore avec les autres. Après, on ira faire un tour dans ma petite forêt de Noël. Alors. Ça me semblait complexe d'en rajouter encore. Hein. Bon, ben, j'ai rajouté, mais c'est vraiment le bordel. Je vais intervertir en fait les deux là. Pour avoir pas deux fois la même couleur. Ils sont tellement choux ces petits chiens. Par contre, en jeu, on avait les peluches de maman qui sont des chiens. On a les jouets qui sont des chiens. Et les chats, ils les aiment pas ou comment ça se passe? T'as essayé? Quand enfin, comme si t'avais pas de cadeau? Bon après c'est peut-être un hasard mais moi je l'ai eu direct donc je sais pas. Et nous voilà dans la forêt. C'est pas faux, ils vont tout casser les chats. Mais ils ont quand même le droit d'être là les pauvres. Moi je reviens un petit chat dans le jeu, c'est rigolo. Alors j'ai laissé volontairement les branches par terre, comme ça fait un peu plus forêt. Ah bah oui, si t'as donné un cadeau à tout le monde, c'est trop tard, je pense. Et c'est sur ce sapin-là que je vais récupérer mes boules de Noël. Donc on a tous les petits bonhommes de neige. Et l'arbre arctique, là, je le trouve tellement beau la nuit. Et là, dans le camping, du coup, j'avais enlevé des fleurs et rajouté deux petites tentes. Je réfléchis où on pourrait en mettre des choses, mais le souci, c'est que j'ai plus de boîte en carton. Attendez, je crois que j'aurai un ballon. Ah oui. Sauf que... On va aller voir à la mairie si j'ai pas si j'ai pas des boîtes en carton dans la poubelle. Ça aussi c'est le truc qui aurait été sympa qu'ils en mettent pour Noël. On va aller voir ça. Ah ils ont fini de chanter mes petits chanteurs. Alors, oh, ils sont choux. Ouais, j'ai cliqué trop vite, mais je n'ai rien du tout. Couronne, mur motif couronne noire. Je vais le prendre. On va aller ranger ça à la maison, mais... Oh, merci Pikachu. Merci tout plein, mais t'es pas obligé, t'en as besoin pour toi aussi. Hein. Thank you.
Ah, pépite de fer avec la quête des... Non, ça se commande pas, je crois, les boîtes, hein. Si je dis pas de bêtises. Ah si, on peut la recommander, c'est vrai. Je ne me rappelais même pas. Tu vois, j'étais persuadée qu'on pouvait pas les commander. Ah bah si, on sort que ça se commande. Ah bah nickel. Si quelqu'un en a besoin, vous me direz, je pourrais vous en commander aussi. Bah ouais, mais Zabou, des fois, elle est persuadée de trucs complètement débiles, et puis voilà. Oui, Pikachu n'a pas de papier pour le moment parce qu'elle n'a pas de... Quoique... Et comme pas de papier pour le moment... Oui, parce qu'il faut du papier rouge pour les faire. Hop. Je suis obligée de jeter les lettres parce que... J'ai plus de place. Merci, Pika. Les points de chaîne, si on les dépense, ça donne de l'argent. Non, rien du tout, malheureusement. Et merci, Space Moon, pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue. Merci, merci. Je sais plus ce qu'il fallait pour faire le papier cadeau. Les cadeaux. Oui, ils sont là. Ah, je bloque de bois. Ok. Moi, c'est juste, j'ai économisé, je voulais offrir mes points à Zabou en pensant de donner un peu d'argent. C'est gentil comme tout, bah non, les points de chaîne, ça ne rapporte pas d'argent à personne, en fait. Et comme je ne les ai pas spécialement paramétrés, parce qu'on n'est pas forcément beaucoup non plus, donc ils ne servent pas à grand-chose pour l'instant. Et c'est vrai que c'est dommage, ça pourrait être converti en argent, même si c'est pas grand-chose. Mais non, malheureusement. Qu'est-ce que je cherche, les enfants? Du bois tendre. Voilà, on va en faire deux. Ah, mais comme une cruche, je pensais même pas que les boîtes, elles se commandaient. Je vais aller regarder ce qui me reste comme kit pour voir en quelle couleur je l'ai fait. On les avait tous fait une fois, donc comme ça on est tranquille. Il va falloir que j'aille en racheter au magasin par contre. Kit de personnalisation, à mon avis j'en ai tout juste assez pour faire les cadeaux. Oh non, c'est un, donc ça va. Mais celui-là, il est où en fait? Je ne l'ai pas posé. Je suis censée en avoir 7. Et celui-là, je ne me rappelle pas l'avoir fait. Mais non, je ne l'ai pas en fait la couleur-là, je suis bête. Parce que j'en ai mis 5 sur ma place, 6 chez moi. Non, je ne l'ai même pas gardé celui-là. Bon, bah du coup, on va garder le premier. Et... Je crois que c'est celui-là mon préféré. Ah oui, j'en avais pas fait 7 en fait. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu. Hein. J'ai dit c'est bon, mais non, c'était pas bon. Enfin, je pouvais tous les custom, mais il manquait un truc. Oh là là. Je vais mettre l'autre à la place parce qu'il est plus... Voilà. Ça va mieux que le sapin. Je vous ai préparé, les enfants, une vidéo pour demain sur le thème de Noël. J'espère que vous allez aimer parce que moi, je me suis régalée. Je vais aller vite fait me racheter des kits avant d'oublier.
Et du coup, n'oubliez pas de regarder ma petite vidéo sur YouTube aujourd'hui. Sur Animal Crossing, du tout. C'est Farm Together et mon agencement de Noël. Petite curieuse, tu n'auras point cette réponse, tu le sais. J'admire hein, ta... ta tenacité. Tu peux juste savoir que c'est sur Noël et que ça c'est plein de déco et que c'est très joli. Voilà. Enfin, très joli. Moi, j'aime bien, en tout cas. Il faudra attendre demain matin. Voilà. Allez, filez de là. Du coup, j'hésite sur l'endroit où je pourrais les mettre, les cadeaux. Si je les pose là dans le marché, elles vont me bloquer le chemin. Oui, je suis hors ligne, Anya. Je le suis toujours maintenant. Parce que sinon, quand je prépare des vidéos, les gens, ils m'espionnent. Et il n'y a plus de surprise, alors c'est pas drôle. Ouais, mais ici, je trouve qu'il n'y a pas forcément la place pour en mettre. Je vais regarder à l'intérieur de la maison. Est-ce que je peux en mettre près de la cheminée? Ah, bah c'est pas ma maison, je suis cruche. Au revoir! Mon Dieu, t'es fatiguée, Zabou. Je sais pas du tout où je pourrais les mettre pour que ça fasse joli. Oh non, mais des fois, Amandine, je fais n'importe quoi. Je venais de souhaiter un joyeux Noël à tout le monde pour que ça passe sur la vidéo. Ah! Eh ben merci beaucoup, Anya. Anya vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et nous, on te souhaite à toi un joyeux Noël. Fais bien attention, mais profite bien. Ah bah tu nous diras, Galou, ce qui se passe sur l'île de Joey, du coup. Je voulais les autres. Ça cache un peu le sapin, quand même, hein. Ouais, je trouve pas ça top. J'ai toujours du mal à positionner certaines choses, mais ça va le faire. Je laisse ma luge là. Ici, c'est tellement joli. Je suis trop trop contente. Un petit espace Noël de la plage. Peut-être que je peux en mettre dans la forêt. Je vais aller voir. Oh, mais j'ai des rejets de fleurs partout ici. J'avais pas vu ce matin. Merci Valériane. Joyeux Noël à toi aussi. Un Noël si particulier cette année, mais un Noël quand même, hein. Est-ce que j'arrive à mettre ici le deuxième cadeau que j'ai ramassé? Parce que je trouve qu'il était à peu près dans les tons. Ah bah c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah bah voilà. Ça rentre bien dans le thème. C'était quoi l'autre objet que j'avais par terre? Ah, le blé du partage. Le partage de blé de la journée du... Bon, on va le mettre là. Voilà. Bon, on le voit pas très bien, mais c'est pas grave.
du coup, c'est l'anniversaire de mon Noël demain. Puisque le personnage de la maison de Noël s'appelle Noël. Bah, du coup, c'est son anniversaire. Alors, où est-ce que je peux mettre ça ici? Devant, ici, là. Centré, ça serait l'idéal, quand même. Ça fait bien, non? L'idée étant de ne jamais trop surcharger, mais d'avoir quand même des jolies choses. Dites les amis, notre plus beau cadeau de Noël, c'est notre Zabou. Mandine, tu vas me faire pleurer. Merci tout plein. Tout plein, tout plein, tout plein. Je vais revendre les coquillages qui traînent. Bon, en tout cas, ce stream aura très très bien commencé ma journée. Et ça me donne le sourire, alors qu'en fait, voilà, au fond de moi, c'est un peu compliqué. Pas de famille cette année, mais voilà, c'est cette année. Hein. Mais du coup, Papa Noël, il se venge et il va nous ramener plein de cadeaux. Merci Juju, merci beaucoup. C'est trop gentil. Je vais faire juste les plages. Pikachu, es-tu là? Merci Mandine. Pikachu, Pikachu? Je crois que Pikachu a disparu. J'ai des fleurs pour toi, là, regarde. Est-ce que tu les veux ou est-ce que je peux les jeter? Je vais avancer, hein, promis, j'attends juste la réponse de Pikachu. Je veux bien les anémones, ok. Bah écoute, je te les ramènerai si tu veux. Sinon, je vais finir le tour de l'île. On va regarder notre déco une dernière fois et puis bah, il serait l'heure de se dire au revoir. Parce qu'on est presque à 2 heures de vidéo et l'événement est fini depuis longtemps. Mais Animal Crossing, c'est tellement dur. Ah bah si tu veux, Juju. Bon, je les ai enlevés, c'est celle qui était à l'endroit où j'ai fait la place de Noël, donc j'en ai plus besoin pour l'instant. Et j'en ferai une autre déco au printemps, donc du coup je m'en fiche. Bah, on s'organise tout ça sur Discord, on va pas le faire ici, mais... Oh oui, quel jeu fantastique, Mandine. Quel jeu fantastique. Et la musique d'aujourd'hui, elle est tellement belle. Oui, elles sont jolies, les fleurs violettes. J'aime bien les violettes et j'adore les roses noires, moi. J'aime bien quand elles sont en bouton, encore. Par contre, je me posais la question... On se posait la question avec Kenny. Kéké, il n'a pas de chansons de Noël? Que c'est dommage, du coup. Tu peux même pas mettre de chansons de Noël dans ta maison. Ben, bonne question, c'est exactement ce que j'allais demander. Pikachu, je ne sais pas si cette musique de Noël, on peut la récupérer. Non, il n'y en a pas. Hein. J'ai cherché, j'en ai pas trouvé, mais je me suis dit peut-être que j'ai mal regardé. C'est dommage, parce que ça serait sympa. Une petite musique avec des petites cloches comme ça, les petits grelots et tout. Bon, ici, je pense que j'ai rien besoin de rajouter. Hein. Le traîneau, il est juste trop beau.
Bah, écoutez, les enfants, on va s'arrêter là. Je suis désolée, mais voilà. On a fait le tour de l'événement, on a réussi à donner les cadeaux à tout le monde, ceux de Rodolphe. On a redonné nos cadeaux, donc on en a récupéré. Et moi, j'ai passé un super moment en votre compagnie. Ce 24, c'est une monstre fantastique. Et franchement... Je suis en train de lire le message de Galou. C'est faisable, mais il faut les cartes amiibo des personnages pour les faire venir. Donc, je sais pas si on peut leur les mettre en bonnet de Père Noël. Non, normalement, tu peux choisir tes villageois hein, sans avoir les cartes. Dans l'onglet à choisir, tu as tes villageois tout au bout, normalement. Et du coup, bah, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très bon réveillon de Noël, de faire surtout attention à vous. Un bon réveillon. Demain, une bonne journée de Noël. Nous, bah, on vous quitte pas, on sera toujours présents tous les jours avec des vidéos surprises. Et voilà, je vous fais tout plein de bisous. Merci d'avoir égayé ce début de journée. Et merci aux nouveaux qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui, aux anciens qui sont toujours présents. Je vous fais des millions de bisous. Passez un joyeux Noël. Et puis, ben, faites bien attention à vous encore. Bisous, bisous les amis. Salut !